3 إلى 5 ديسمبر أكبر منتدى إفريقي للاستثمار والأعمال لقاء الجزائر، الذي سيجمع 150 ممثل من الهيئات العامة، 2000 رئيس مؤسسة و200 عنوان من وسائل الإعلام المحلية والدولية. يتمحور لقاء الجزائر حول 6 جلسات استراتيجية كبرى و20 جلسة مشتركة، حيث سيتم تعزيز دور الجزائر الرياضي وطموحها لصالح إفريقيا معا من أجل حركيات جديدة. للمعلومات وطلب تسجيل على www.rdv-alger.com. لا شك أن تنمية القدرات البشرية عنصر مهم في مجال خلق الثروة، والأدلة كثيرة. فما وصل إليه اليابانيون وبلادهم تفتقر لأدنى ثروات طبيعية لخير برهان على ذلك. فإذا أردت خلق ديناميكية اقتصادية فاستثمر في القدرات البشرية لأنها المادة الأولى. لكن الوضع في الجزائر يختلف تماما، وما نشهده في سوق الشغل فيما فيها تتحكم قاعدة الكم أكثر من الكيف. جامعات ومعاهد يتخرج من الآلاف ليصطدموا بواقع سوق تبحث عن اختصاصات لا وجود لها في البلاد، ناهيك عن شروط الخبرة وعدد سنواتها. مؤسسات لا تعرف حتى بالمناصب التي تبحث عنها، وباحث عن وظيفة لا يأبه حتى بنوع العمل، ومدارس خاصة استغلت هذا الفراغ لتكون وبتكاليف باهظة. سوق الشغل، التكوين الموجه، الحلقة الأضعف، عنوان هذا العدد من برنامج النقاش الاقتصادي الذي يأتيكم على المباشر ضمن ساعة الإخبارية الاقتصادية. مشاهدينا الكرام، مرحبوا بكم من جديد، ولإثارة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد علي بلقاش، خبير في إدارة الموارد البشرية. أهلا بك، مشكرك على تلبيتك الدعوة. ويتواجد معنا أيضا السيد أحمد زروقي، المدير العام لأمبلوا بارتنر، مرحبا بك ومشكرك على تلبيتك الدعوة. نبدأ من عندك سيد أحمد زروقي. عندما نقوم بمقاربة ميدانية نلاحظ أن الاختصاصات الموجودة اليوم في سوق العمل لا تلبي متطلبات عديد من الشركات والمؤسسات، ونلاحظ أنه فيه فراغ خاصة في النوعية لهذه الاختصاصات. Le manque est sur dans tous les métiers en fait. Il y a pas dans tous les métiers, mais sur un nombre important de métiers. On a les nouveaux métiers qui sont les métiers de la nouvelle technologie, mais pas que ça. On a d'autres métiers qui sont des métiers également des anciens métiers, comme par exemple, je pense à un peu au métier de garde-malade, des métiers au service à la personne, où il y a une pénurie par exemple de ces compétences là. Et puis il y a aussi les métiers tout récents. Avant de venir juste Rabel Majid le Mouaïd, j'ai été en train de faire un entretien à 16h, j'avais rendez-vous avec un community manager. Donc c'est un métier tout récent. C'est un métier qui consiste à sourcer sur les réseaux sociaux, à fidéliser une communauté, à vendre aussi peut-être sur Internet, et qui nécessite une maîtrise aussi du français. Au fait, si on parle par exemple de ce métier-là, c'est un métier où la formation n'existe pas. On a aujourd'hui, on ne forme pas ce type de profil. Ces profils-là apprennent directement sur le tas. Mais le khibra, elle est maïdani. Mais le khibra, elle n'existe pas. Donc il y a Makash aujourd'hui, un centre de formation qui va former ses community managers. Donc les community managers, demain, ils apprennent directement en entreprise. Donc généralement, c'est des entreprises de pub, de communication, qui vont recruter des jeunes fraîchement diplômés et qui vont apprendre à des jeunes fraîchement diplômés au sein de l'entreprise, qui vont se constituer justement un capital expérience pour pouvoir travailler dans d'autres entreprises et évoluer. Donc ça, c'est un métier parmi d'autres. Sans parler de... Ça, c'est, si vous voulez, un détail par rapport au problème réel aujourd'hui qu'on voit sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a un grand écart entre la formation, le monde universitaire et la formation au sein de l'université et puis au sein des écoles également, et le monde professionnel. Moi, je regarde tous les jours... Si vous voulez, il y a un grand écart. Pour réduire cet écart, je pense qu'il faut vraiment augmenter les stages au sein des entreprises. Aujourd'hui, lorsque un étudiant, par exemple, sort de l'université, il a pratiquement fait un stage ou deux. Les stages ados consistaient peut-être pratiquement à faire des photocopies ou c'est des stages, c'est juste des formalités pour avoir son diplôme, etc. Donc on mouche voilà, et c'est effectivement. Et ça, c'est un problème qui est réel, qui nous éloigne un peu du monde de professionnel. سيد علي بلقاش، اليوم نقص توجيه حتى في الأطوار المبكرة في الدراسة. مثلا أنا
تذكر عندما كنت في الثانوية يعني ما عندكش في رأسك ما عندكش توجه تماما، ما كانش حتى التوجه مثلا على حسب الإمكانيات، على حسب القدرات، على حسب الإنسان وين يكون يعني أكثر متمرس باش يختار يعني طريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ سفيان، أنا نروح في واش قلت انت دركا، نروح إلى أبعد من هذا ونطرح سؤال. احنا on s'est toujours posé cette question, le pourquoi de l'existence et la création d'un poste pédagogique permanent d'un conseiller d'orientation pédagogique. في بعض السنوات كانوا فيه يعني ما ثانوية في ثانوية كاين بوست que l'état paye. C'est une charge que l'état paye et voilà le résultat. On trouve des gens qui ont des compétences dans le domaine de la science qui sont orientés branche littérature. L'autre, ils ont des compétences dans la littérature qui sont orientées scientifique. Il n'y a pas ces assises. Alors que le conseiller pédagogique, normalement, il a un programme. Par le passé, on a fait des expériences avec des étrangers et tout. On ne réussit que dans ce qu'on aime. Ça, c'est très important. Parce que même si... le rôle des conseillers pédagogiques qui doit être plus prépondérant que l'état actuel, convenablement, ou on ne responsabilise pas le conseiller d'orientation pédagogique, mais c'est un système. D'accord. عندما يكون مستشار واحد يعني في ثانوية تقريبا اللي يكون فيها أكثر من 1000 ولا 1400 طالب، هذا ليس بالأمر الهين. صح، راني معك، ولكن هذا التلميذ كي يدخل ثانوية راهنا في لمدة 3 سنوات وعندنا الوقت باش نتكلموا مع 1400 طالب اللي يجي من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثالثة ثانوي على الأقل 2 ولا 3 خطرات. حنا اون باسي ميكانيزم، حنا اون غياب الآليات، ما كاش عندنا لي ميكانيزم دوريونتاسيون بيداغوجيك. حنا عندنا حاجة، عندنا تدخل الليسي كاع لونفيرونمون تاعك ا كومونسي باغ لا فامي يستناو منك تجيب الباك. ا ان مومون دوني الحمد لله دركا سا ديسباري. ا ان مومون دوني il faut avoir un bac science ماشي لتر. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque. وكأنهم يقصيو هذه الاختصاصات تماما. Alors que la chose mais ou اكثر من هذا même في l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, il doit y avoir un travail de collaboration qui doit être fait entre et les universités et les entreprises pour connaître. On sait tous que l'entreprise évolue plus rapidement que l'institution les institutions de formation. Alors, parce qu'elle est à l'écoute du marché, il y a la concurrence internationale, il y a la mondialisation. Donc elle répond surtout le secteur privé. سيد علي راح نطرح سؤال سيد احمد زروقي في نفس السياق. سيد احمد، اليوم مثلا هل المفتاح هو في التوجيه ووضع تخصصات مصممة تماما على احتياجات السوق؟ هل هو المفتاح اليوم؟ Moi j'ai envie de juste dire, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, il faut qu'il y ait un effort aussi du candidat et de l'étudiant. Aujourd'hui, on ne peut pas juste dire que c'est vrai que c'est aussi l'université, c'est l'école, c'est le système, etc. Mais il faut qu'il y ait un effort du candidat aussi, de l'étudiant. S'il n'y a pas un effort, s'il n'y a pas une conscience du candidat, on a beau faire tout ce que vous voulez. Ça commence par l'éducation. Aujourd'hui, regardez, l'éducation parle dans le sens péjoratif, hein, dans le bon sens. Aujourd'hui, lorsqu'on fait... Par exemple, lorsque je fais des entretiens, tenez-vous bien, 90% des candidats que je reçois n'ont pas de projet professionnel. N'ont pas de projet professionnel. C'est-à-dire que les candidats viennent, je leur pose la question, pourquoi est-ce que vous avez postulé pour Jazeera News, enfin pour la chaîne Jazeera, on postule. Ils vont me dire pratiquement ce que j'ai envie d'entendre, parce que c'est une chaîne qui est connue, etc. Mais dès qu'on commence à creuser un peu plus, comment est-ce que vous voyez dans 5 ans, comment est-ce qu'on voyait dans 10 ans, on voit, juste après, on voit que ils n'arrivent pas à se projeter dans 4, 5, 6, 7 ans. Ils n'ont pas de projet professionnel. يكون من خلال وضع مثلا اختصاصات مصممة على السوق، من هنا نوجه مثلا الطالب قبل أن يتخرج قال هاي اختصاصات
جديده مثلا كاين دول اللي دايره هادشي كاين دول اللي تقولنا وين يقدروا يعرفوا باغ اكزومبل دون 10 ans quels sont les métiers qui seront justement demandés dans 10 ans les métiers qui seront demandés dans 20 ans البارح j'étais en train de lire un article sur les postes à bientôt qui seront justement demandés en France et puis dans d'autres pays ils arrivent à dire dans 2022 on aura justement besoin de tel type de métier mais حنا on le sait حنا ثاني on connaît les métiers je peux vous citer quelques métiers par exemple le développement d'applications mobiles. Il y a une pénurie de compétences. On a besoin de développeurs qui vont développer des applications, les smartphones, etc. Voilà. Maintenant, il faut juste que les centres de formation ou les écoles soient, s'adaptent rapidement. Le problème, ce que disait Ali justement tout à l'heure, c'est qu'on a du mal, l'entreprise évolue plus rapidement que ces organismes, que ces centres de formation, que l'université. Il faudrait que ces universités, ces centres de formation fassent de la veille, comme toute entreprise privée, fassent de la veille, puissent se projeter dans 10-15 ans, et puis qu'on puisse préparer justement ces métiers d'avenir. Aujourd'hui, il y a certes certains métiers, on a sur certains postes, les candidats ont du mal à trouver du travail, etc. Mais je peux vous citer donc une vingtaine ou une trentaine de métiers où on a du mal à placer. Voilà. Et sans forcément que ce soit des métiers dans les nouvelles technologies, encore une fois. Les métiers, t'as les services à la personne, c'est on a du mal à placer. Garde malade, ce que je disais tout à l'heure, ces métiers, c'est pas une nouvelle technologie, c'est pas un poste récent. Mais je pense qu'il y a juste un centre qui forme, qui sort 15 personnes, voire là par an, des gardes malades. Donc, à demander qu'ils rejouent, elles sont. Seyed Belkash, والأرقام الدقيقة مثلا لا تسمح لنا أن تكون عندنا نظرة استشرافية على ما سيكون عليه سوق العمل effectivement Sofiane l'absence des statistiques a handicapé pas mal de secteurs d'activité en Algérie on peut pas avoir une vision future si on n'a pas des indicateurs maintenant des indicateurs présents je rejoins Ahmed quand il disait qu'il y a des pays qui, maintenant, qu'est-ce qu'ils auront comme besoin en matière de ressources humaines dans 20 ans, ou là dans 10 ans, 15 ans, quels sont les métiers ? Dans notre pays, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va... Comment orienter si on n'a pas... Parce que la recherche d'emploi obéit à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'aime, et la deuxième, c'est qu'est-ce qui va marcher qu'est-ce qui marche sur le marché de l'emploi. Donc là, on doit donner ce genre d'informations, ce genre de statistiques aux jeunes qui vont les exploiter, bien sûr, en mettant en place tous les mécanismes nécessaires et tous les outils qui vont l'aider à sa prise de décision pour réussir dans sa vie professionnelle. Seyed Ahmed, هل يقتصر كما يقول السيد بلقاش يقتصر هذا العمل على الوسيط يعني نحمل المسؤولية الوسيط أنه هو يذهب يبحث على الاختصاصات وهو يكون من يوجه طالب العمل مثلا انتم يكون عندكم طالب عمل يكون انسان حط سيره ذاتيه تاعو مثلا وانتم توجهوه لهذا الاختصاص وهل يكفي عدد الوسطاء اللي راهم كاينين في السوق الجزائريه Je pense que là, il y a que c'est jamais assez. Si on voit juste le taux de chômage qui est aussi important, donc on sait pertinemment que ce n'est pas suffisant. Il faut juste dire qu'on peut gagner du temps, on peut aller vite et on peut proposer des solutions efficaces. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être sur la quantité pour faire un bon travail. Là, par exemple, pour remédier au sein de l'entreprise, pour remédier au problème du CV. Parce qu'aujourd'hui, on parle de formation, mais la première formation, c'est de pouvoir se vendre. Aujourd'hui, les candidats ne savent pas se vendre. Des fois, vous trouvez des candidats qui sont très efficaces, très compétents, mais ils ne savent pas se vendre. Ce candidat ne sait pas mettre un CV, qui chauffe le CVT à autre, la personne a dit qu'elle n'est pas compétente. Par contre, ça ne reflète pas justement la compétence du collaborateur. Là, autant qu'entreprise privée, on essaie de trouver des alternatives, des solutions. Et la solution qu'on propose aujourd'hui, d'ailleurs on a lancé ça la semaine dernière, c'est le CV vidéo, pour essayer de trouver une solution au CV électronique. Donc aujourd'hui, l'entreprise, lorsqu'elle va recevoir un CV, au lieu d'écarter justement ce CV, parce que peut-être il ne représente pas les compétences le candidat, on va juste peut-être visionner son CV vidéo. Et on va se dire, on aura la personne en face, et puis peut-être ça nous facilitera le travail. Donc si vous voulez, on a autant qu'intermédiaire entre le demandeur d'emploi et l'entreprise,
entreprise. Notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information. C'est-à-dire que un candidat cherche un poste bien précis, on lui facilite cet accès à l'information avec des moteurs de recherche. مثلا هل يعقل اليوم واحنا في 2016 انه متخرج من معهد ما يطلب منه خبرة خاصة تكلموا مثلا في اختصاصات تقنية يعني أنه الإنسان يكون كما يقال بالفرنسية أوبيراسيونيل تماما بعد تخرجه من المعهد وهنا مشكل العديد من الشباب يلاقي هذا المشكل أنه طلب الخبرة سنوات من الخبرة صدقني ماشي كامل المؤسسات الركروت دي كانديداي أو تحوس الإكسبرينس aujourd'hui هنا au sein du cabinet on a beaucoup de nos clients qui nous disent une chose qui est simple moi je veux recruter quelqu'un qui veut s'engager avec moi dans l'entreprise. Voilà. Après, je le forme. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise elle a la possibilité de recruter soit quelqu'un qui a 5-6 ans d'expérience, soit quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui a 5-6 ans d'expérience va intégrer une entreprise, va venir avec ses habitudes, sa manière de travailler, etc. Et des fois, cette manière de travailler, elle ne colle pas avec l'entreprise, parce que l'entreprise, elle veut, elle a sa méthode de travail, etc. Donc, il y a certaines entreprises qui souhaitent recruter des fraîchement diplômés, et puis, les modeler, leur donner des habitudes, ils vont s'adapter à la culture d'entreprise de cette société-là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui recrutent des fraîchement diplômés. Où il y a une information encore intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides. Lorsqu'une entreprise privée passe, par exemple, par un organisme agréé tel que notre entreprise, elle peut avoir des avantages sur les cotisations CNAS qui peuvent aller jusqu'à 80%. C'est énorme. Justement, le SS7 pour qu'ils recrutent des fraîchement diplômés. Maintenant, juste les candidats, il faut qu'ils soient conscients. Ça, c'est très, très important. Et je pense que les candidats ne sont pas conscients de ça. Les candidats, il faut qu'ils soient conscients qu'aujourd'hui, je n'intègre pas une entreprise parce que c'est l'opportunité s'est présentée à moi. Non, j'intègre une entreprise parce qu'elle s'inscrit dans mon parcours et dans mon objectif professionnel. Voilà. Et toute la différence, c'est voilà. L'objectif, ce n'est pas juste travailler. Parce que, voilà, on peut quitter l'entreprise. Sayed Belkacem, aujourd'hui, مشكل الاعتماد لبعض المعاهد وبعض المدارس وحتى ولو كان أن تكوين تاعها يعني تكوين عالي ومستوى عالي لكن يلعب دور هذا الاعتماد. Vous saisissez un point très important, Sofiane. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Ahmed. C'est vrai que le recrutement, dans le cas beaucoup d'entreprises ont fini par comprendre que ce n'est pas un gain en soi de recruter des gens qui ont de l'ancienneté ou de l'expérience. Nous avons vu le cas des banques étrangères qui sont venues, elles ont, dans leur recrutement, elles se sont lancées sur des fraîchement diplômés parce que Kalek Njibun formé à ma méthode de faire. Exactement. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai que quand on oblige l'entreprise. Recruter dans le cadre de la NEM avec l'institut après de l'autre côté on vous parle d'un transfert de savoir maintenant moi je pense que pour transférer un savoir d'un pays à un autre ça peut se faire même via la formation il y a des partenariats qui peuvent être liés entre des universités algériennes des universités algériennes et des universités étrangères, des écoles algériennes et des écoles étrangères, ça permettra un transfert de savoir. Après, la question de l'agrément, l'obligation de l'agrément pour l'AHOL, je pense que le meilleur arbitre, c'est le marché de l'emploi. Si vous avez une école qui forme bien et qui a un taux d'embauche qui dépasse les 75%, le recrutement... L'idéal pour un employeur, c'est qu'il recrute une personne qui soit opérationnelle dans un minimum de temps et qu'elle soit rentable juste dans un temps moyen. Ça sert à quoi de recruter quelqu'un, de la créer formé pendant 12 mois et une fois qu'il commence à devenir opérationnel, il redemme avec le 6 mois ou le 8 mois, il dit que je n'aime pas. Parce qu'il y a aussi la question du turnover aussi qu'il faut, à laquelle nos autorités doivent réfléchir. L'employeur, il est là pour créer une richesse à l'État, puis une richesse à soi-même. Non. Donc, il a des considérations. Ces soucis doivent être pris en considération quand on met en place des mécanismes. Sofiane, généralement, qui est-ce qui les prend en considération? C'est les autorités publiques. Après, le chef d'entreprise, des fois, il les subit.
ça fait partie de son environnement, il les subit, il essaie de trouver des solutions dans les limites de ses capacités. Mais on aimerait bien que c'est les autorités publiques qui vont faciliter à ces entrepreneurs, à ces jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs qui déjà ils ont des difficultés. Ils s'engagent à créer une richesse, d'autant plus dans une conjoncture qui m'a aidé l'Iran à faire. Ils s'engagent à créer une richesse, il faut l'aider par tous les moyens. Il faut l'aider par tous les moyens, surtout les lois qui m'a aidé. Sayed Zarouqi, هل دفعت مثلا الجزائر ثمن هذا الاعتماد على الاقتصاد الريعي المبني على المحروقات وعائدات المحروقات وكانت فيه عديد من المعاهد كانت أغلقت في زمن لأننا لا نحتاج مثلا هذه الاختصاصات ودفعنا ثمن لاحقا نشوف أنه فيه اليوم نقص كبير في العديد من الاختصاصات وخاصة التقنية في مجال التصنيع في مجال الصناعات الغذائية. Je pense que malheureusement, le constat est là. Le constat, on a une idée précise sur l'économie de notre pays. Elle est basée essentiellement sur les hydrocarbures et sur le gaz. Oui, mais moi, je reste optimiste. Je me dis que les choses sont en train de changer. Tout à l'heure, on était en train de parler des écoles de formation. Il y a beaucoup d'écoles. Il y a des écoles telles que l'INSIM, l'ESA, etc. Il y a plein d'écoles privées qui sont en train de proposer des formations. Donc les choses commencent à changer. L'entreprise prend conscience de l'importance de la formation. Je pense que les sociétés, les organismes publics également, les sociétés étatiques également, ils sont tous conscients de l'intérêt des formations. Il y a un effort qui est dans ce sens-là. La formation, elle commence à l'université, mais en fin de compte, on est tout le temps en formation. En fin de compte, on forme nos managers, on forme nos collaborateurs. Et la formation aussi permet de fidéliser aussi des collaborateurs. Donc oui, on est en train de payer le prix fort parce qu'on a négligé ça pendant un certain nombre d'années. Mais moi, je suis quelqu'un par nature optimiste et je me dis les choses commencent à changer. Et on a pris du retard. Maintenant, on peut toujours prendre des raccourcis. Le plus important, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs que certains pays et de refaire exactement, de retomber dans les mêmes pièges. Donc voilà, le plus important, c'est de prendre des raccourcis, de prendre des leçons de ce qui a été fait dans d'autres pays pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Sayed Belkacem, اليوم نشوفوا شهادات وطنية مثلا العديد من طلبة متخرجين من ثانوية بكالوريا ولكن يتوجه إلى معهد مثلا معتمد ولا يتوجه إلى الجامعة. هل دفعت أيضا الشهادات الوطنية يعني في هذا المجال دفعت هذا الثمن أيضا؟ Cette nouvelle orientation, personnellement, moi, je la trouve intéressante. Parce qu'il était temps que nos jeunes prennent conscience de l'importance des métiers adéquats aux besoins de l'entreprise. L'Irlande a fait l'expérience, l'Allemagne aussi. Après, bien sûr, l'enseignement supérieur, on a lancé tout ce qui est master professionnel et tout, mais c'est resté toujours dans un cadre très théorique et académique. Mais la formation professionnelle, elle répond, elle a l'avantage de répondre, c'est ainsi qu'il court. Hein. Il permet aux jeunes de gagner du temps, d'intégrer le monde professionnel à un jeune âge, et puis il répond aux besoins, parce qu'il y a une meilleure, d'après ce qu'on a vu sur le terrain, il y a une meilleure collaboration entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation professionnelle que le monde de l'entreprise et celui de l'université. Parce que le monde de la formation professionnelle, cette orientation, moi je l'apprécie. Après, cette optique quantitative dans laquelle notre pays s'est inscrit depuis des années, je pense qu'il faut la mettre de côté. Maintenant, c'est la qualité qui prime. Il faut répondre aux besoins. Il y a des actions qui sont menées un peu partout dans les wilayas d'Algérie. Je citerai l'exemple de Blida, où il y a eu, par exemple, une collaboration entre l'université de Blida et le CMI, le club des entrepreneurs et industriels du Métidja, où ils lançaient des formations telles que la cosmétique. C'est une spécialité qui n'existait pas du tout. Ouais. Mais vu que le besoin du marché, ils ont, en collaboration, ils ont lancé des formations qui m'aident. Le CMI, en collaboration aussi avec la direction de la formation professionnelle, ils ont lancé une autre filière, la plasturgie. Non. C'est des spécialités, le monde de l'entreprise, il sert comme, et que vu la lenteur des procédures, les autorités concernées par la formation et l'enseignement supérieur tardent à les mettre en œuvre.
حتى يعني المتعامل هو اللي يدفع بهذه الاختصاصات ان اوتر بوين كي فان نو بيرميتر دو غاني دو طون فقط سيد علي لو بقناش الوقت كثير ان اوتر بوين كي نو بيرميتري دو غاني دو طون سي لا ديسنتراليزاسيون دي ديسيزيون اون ريجيون ا فوكاسيون اغريكول ما نفورميوش فيها على الاندستري نعم ميرسي سيد احمد في عجاله يعني ما هي الاليات اليوم اللي يمكن وضعها في مجال الشغل وفي سوق الشغل حتى نخلق هذا التوازن Déjà, à notre niveau, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès rapide à l'information. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'on doit, que le candidat doit connaître, avoir une vue, une vision sur toutes les informations pour. Ça c'est ce que nous, notre métier, de donner les outils aux recruteurs pour qu'ils puissent accéder, gagner du temps, avoir accès aussi à l'information, mais traiter de manière efficace, de travailler sur la qualité des recrutements. Mais aussi, notre intervention elle peut être efficace s'il y a une conscience des deux acteurs. C'est une conscience du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi, il faut qu'il prenne conscience aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un effort personnel. Il ne peut pas tout attendre de l'entreprise ou là de l'État, etc. Il faut qu'il prenne... Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a sur... Aujourd'hui, on a toutes les informations sur Internet. Comment rédiger un CV? Je vais sur Internet, j'ai l'information, une lettre de motivation. Voilà, tout est fait. Et puis, la même chose pour l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui dépensent... Très rapidement, il y a des entreprises qui dépensent un argent fou pour recruter. Mais très bien, des fois, on recrute un collaborateur, mais il faut que l'entreprise prenne conscience qu'il faut qu'elle fasse un effort pour fidéliser ce collaborateur aussi. Non. Il ne suffit pas juste de le recruter, mais il faut de le garder. Non. Et à partir de là, il faut qu'elle travaille sur la culture d'entreprise, il faut qu'elle travaille sur l'appartenance, etc. Donc il y a un travail qu'on doit faire, nous tous, ensemble, pour avancer... شكرا لكم سيد أحمد زروقي المدير العام لأمبلوا بارتنر وسيد علي بلقاش خبير في إدارة الموارد البشرية نشكركم على تلبيتكم الدعوة وإثراءكم هذا النقاش مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد تقبلوا مني تحياتي وإلى اللقاء